au secours de Dol de Bretagne. Lors de cette cérémonie, nous mettrons en honneur puis sa part-pompier promis aux blagues populaires pour la remise de casque à les hommes et cette cérémonie sera présidée par M. Denis Rapinel, maire de Dol de Bretagne. Le commandement des troupes sera assuré par le lieutenant Pascal Gauthier, commandant le centre de secours. Pour l'ensemble, mon commandement, garde à vous! Attention pour les couleurs! Prêt? Envoyez! Mesdames, Messieurs, dans un premier temps, les autorités vont à présent promouvoir au grade supérieur le sergent Julien Fronteau, promis à la distinction sergent-chef, les sapeurs de première classe Théo Desbeaux et Grégory Guillier, promus au grade de caporal, les sapeurs Yvonne Busson, Guillaume Jamel, David Landré, Laura Moulinet et Baptiste Orsolin, promus à la distinction sapeurs de première classe. Dans un second temps, une jeune recrue recevra de son aîné son casque. Garde à vous! Récipiendaire, gagnez votre emplacement. À gauche, ouvre le banc. Sergent Julien Fronteau, incorporé au corps des sapeurs-pompiers de Dol de Bretagne le 1er janvier 2004, vous servez notre mission de service public depuis plus de 13 ans. Vous êtes nommé sergent, appellation chef. C'est bien. Sapeur Grégory Guigné, 1035, vous êtes nommé caporal. Sapeur de première classe, Théo Devaux, sapeur-pompier depuis le 1er juillet 2014. Vous êtes... J'ai l'honneur de vous remettre le diplôme de chef d'équipe de sapeurs-pompiers volontaires. Félicitations. Sapeur Yvonne Busson, sapeur Guillaume Dirmel, sapeur David Lanoé, sapeur Laura Moulinet et sapeur Baptiste Orsolin. Au cours de cette année, vous avez acquis l'ensemble des modules nécessaires afin d'être opérationnel au secours à personne et incendie. Cette formation
associé à votre travail et avec votre investissement vont vous faire la distinction de sapeur-pompier de première classe. Félicitations, David. Se déroulera aux fenêtres des étages de l'hôtel restaurant le Bretel. Garde à vous! À disposition de l'agile en chef Gaillard pour la démonstration de la manœuvre. Non, là, on va procéder à l'évacuation. En même temps, les prix sur la partie intérieure de la barquette, vous allez l'observer, mais ce qu'on appelle une corde. Et les équipiers font descendre à faire à mesure en tenant une position horizontale. Et là, jusqu'en bas, on fait descendre. Et cette opération peut être renouvelée autant de fois qu'il y a besoin d'évacuer des victimes. Ça dit ? Ça fait une paye ? À chaque fois que je te vois, c'est ton contact en combinaison. On peut les applaudir ? Merci ! Merci pour la démonstration. Donc la fanfare, on va se mettre en place. Mon dispositif, on se met également en place. Je ne sais pas si je suis en train de me faire un peu de temps.